Yo, bien le bonjour YouTube, de retour sur le let's play de The House of Da Vinci 3. On avait fait ensemble le chapitre 1 et 2, de souvenir, donc c'est parti tout de suite, mes suites, pour continuer l'aventure. J'espère que vous êtes prêts, et que le chat aussi est prêt à pour avoir pris de quoi manger, de quoi boire, et une bonne quantité d'aspirine, parce que ça va fuser, ça va bien fuser. Et nous sommes dans les rues... Oh. Y'a un petit animal derrière, j'ai pas rêvé. C'est pas moi, j'ai rien fait. C'est pas moi. Ah mais c'est des rats. Ok. Attends que je vois qui... Je regarde s'il y a pas une petite info qui traîne, une toute petite. Tu commences, tu casses tout. Ah, t'as vu ça un peu? Bonjour. Giacomo, je t'attends dans l'étage. Je suis désolé, je fais que des voix du jeu, j'en peux plus. T'inquiète pas, mais les fais pas attendre. Il fait flipper lui quand même, non? Ouh, porte 1, 2, ou... La porte est verrouillée, ok. Maquin. Je savais que c'était le 3, parce qu'ils savent que j'aime bien le 3. Tell me, what do you think about all this? Oh, poteau! Giacomo, God be praised. Ça va, frérot? I knew you could do it, but I was still worried. Did you bring the Chronicle? We were successful after all. Just as I hoped. The Chronicle records the whole history of this secret order, this Ordo Eustatalis. I will need a moment to find what we are looking for, but this is immensely interesting. I should probably introduce you. Next to me stands my great friend and advisor. I owe much to him and consider him the most erudite friar in the whole clergy. Honorable Luca Bartolomeo Pacioli. Don't exaggerate, Leonardo. You underrate my brothers. That is not my intention, but it is still my opinion. And before us is my disciple and assistant, about whom I have spoken so much. A man possibly brought to me by fate itself to help me carry. Alors pour info, ceux qui sont sur le chat, ceux qui rejoignent le let's play en cours sur YouTube, à gauche, c'est Léonard de Vinci. Voilà. Don't blame Leonardo for his bluntness. He couldn't wait to read the Chronicle. I'm sure you've noticed that when he gets like this, there is no talking to him. Sit down, have a bite. You must be tired. Ça presque me donner faim ce qu'ils ont mis sur la table, les bougres là. We have a veritable feast here. Vegetables, pastries, fruit. Et pourquoi au moment que je dis ça, ils me proposent à manger? Ils se foutent de moi le jeu. Ils m'entendent, c'est ça, ils m'espionnent. Luca makes fun of me often, but this time I'm really not able to find out where the point is hiding. He would do better to focus on real problems. See, just like I said. But seriously, real problems. I'm sure Leonardo told you how, once upon a time, he met Cesar Borgia with members of a secret society. They brought fragmented plans for some strange machine and asked him to construct it for them. At first, he agreed, but when he found out what a terrible weapon the machine could become, he decided not to give it to them. I see. There can be no more doubt.
The secret society was indeed Ordo Eustatalis. They also had plans for the time machine, however incomplete, because in the past they had a similar time machine, so why did they need my help? Either way, in the end, Ordo Eustatalis took the machine from the tower of Badia Fiorentina, shortly after Leonardo used it, and just moments after you did as well, Giacomo, when you tried to save your very life from the half-crazed Borgia who took your glove before you came to? I wonder what the story was with the Duke. When they came with the plans, he seemed to have a position of power within the Order, but after your escape to Florence, they didn't cooperate at all. And that's something we should thank Providence for, because... Bon, je m'attendais pas à autant de blabla quand même. One of the gloves, they can't use the machine, even if they are able to reconstruct it. Aha, here, right at the end of the chronicle. But the year 1465 after Christ came. And for the Order of the Justice, the world was never the same. During that event, their time machine, which they'd called the Gate of the Temple of Wisdom, must have been damaged. That is why they needed my help. So, to summarize, the Order took Leonardo's time machine, and we don't know where. Borgia took Giacomo's glove, and we don't know where. At least, we still have the one Leonardo came with, which is broken. Seriously, gentlemen, and I say this as your friend, you should start looking after your things. That would be an excellent analysis, Luco, if not for the sarcasm and one small mistake. Ouais, je suis d'accord, Spirit, il parle trop, mais bon. Je vais pas vous skip ça, c'est un let's play. Je vais pas m'amuser à parler par-dessus puisque ça va trop vite. Autant vous laisser profiter de la cinématique. Fortunately, that does not matter at all. There is one thing I haven't told you yet, my friends. When Borgia came to me all those years ago, he had not only those incomplete plans to build a time machine, but also three ampules with a strange liquid. I don't know where they came from, but they react to open the gate of time. Thanks to them, I can determine where the gate should take us. One ampule is set in each glove, and one in the Oculus Perpetua. Each of them, when set correctly, will allow us to jump through the gate a maximum 15 years in time. This means that if we wanted to get travel back to the original time machine in the year 1465, 45 years in the past, we would need all three of them. So you insist that we need to destroy the original time machine? Completely wipe it from history? No matter the risk, no matter how hard it might be. As long as the Order has the plans and the will to use it, mankind will never be safe from the invention. I regretted having started working on the time machine. But what do you think would have happened if I had sent them away? I suppose they would try to find someone else? But I'm sure that nobody else would be able to finish it with such incomplete plans. Perhaps. Perhaps not. But if not now, then what about in a year, 10 years, 1,000 years? Sooner or later, someone would do it. All it would take would be one moment of weakness and a great deal of naivety or bad intentions, and the world as we know it could cease to exist. No, my friend, trust me that there is no other way. The machine should never have been in human hands. You are right, Leonardo. I know you have thought about it for a long time, and I trust that your decision is not... Je le sens pas, lui. Vous aussi, chat? Je le sens pas du tout, ce type-là qui parle. Pour moi, il va nous la mettre à l'envers. Well, I think it is high time that we told Giacomo the whole truth about why we met here. All right. It is true that we don't know where the time machine is, but we know how to get the third ampule because Borgia will surely keep the glove close. On est d'accord. We do know where he is hiding. There, just across the street, in the tall building. Ja couldn't have found a better hiding spot. No normal person would step foot in this neighborhood.
Marco was rather surprised when he saw him here. Marco is the jolly man who welcomed you downstairs. He has a lot of friends around, and they learned that Borgia's hideout is very well prepared for, uninvited guests. But right next to it is a burnt pub. Perhaps it would be possible to get inside through that. Just before you arrived, Marco informed us that Borgia left. We have a unique opportunity to get in and take the glove. Giacomo, out of all of us, you are best suited for this task. We leave it in your hands. Be careful. T'inquiète pas, tonton Léonard, je m'en occupe. Je s'en occupe. T'inquiète pas. Tout récupérer, leur péter la gueule. De toute façon, je suis l'élu. Comme dans tous les jeux, je suis l'élu. Donc, à un moment donné... Ah. Ok. Phase de blabla terminée. Comme ça, au moins, ça vous introduit un peu ce qui se passe. Je le rappelle, c'est le troisième opus. Le dernier en date disponible. Les autres, donc le 1 et le 2, sont disponibles sur la playlist Puzzle Game de ma chaîne YouTube de Replay. Donc, profitez-en. Et normalement, le prochain, je sais pas quand est-ce qu'il sort, mais le prochain, ça sera sur la thématique de Tesla. Normalement. Oh, le demi-tour d'un coup, là. Ok, je peux pas interagir là. Non, je pense que... Je serais tenté de dire que non. Non, je peux pas revenir en arrière. J'ai tenté de dire que... Ah, ok, voilà. Pour moi, il y avait d'autres choses à faire, en fait, non. Oh, c'est bizarre, là. PF, retour dans le passé. Ok. Ok, il va faire un truc avec la chemenaille. Ah, les petits chiens. Mais moi, je serais tenté d'y refaire ça, parce que c'est un récipient, il faut le mettre au-dessus de la flamme. Je présume. Ah, c'est sûr, c'est ça. Et dedans, ah bah une poignée, ok. Poignée avec deux, ça y est. Ok, y a rien de plus à faire là. Bon, ça m'étonnerait que ce soit ça, mais on est d'accord. Je préfère tester. Faut que je prenne le temps ce coup-ci, parce que je me suis encore fait brin au chapitre d'avant, juste pour un truc que j'avais devant les yeux, que j'avais même dans la poche. Alors, déjà, pour commencer. Si seulement on pouvait faire ça IRL, oh là là, laisse tomber, ce serait trop pratique. Ok. Bon là, il n'y a peut-être plus grand chose à faire, voire plus du tout. Je peux pas interagir avec, ok. Je préfère prendre le temps, je vérifie ce coup-ci, j'ai pas envie de me faire avoir. Je peux pas interagir avec. Ok, bon, je pense que ça, c'est pour le moment, c'est mort. Là, je peux pas. Alors ça, maintenant... Ah. Ah d'accord, waouh. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à appuyer sur des morceaux de briques. Pour moi, 3 saucisses de 100 grammes de... Arrêtez, j'ai dit que j'irai manger après. J'ai déjà faim, là, en fait. Mais ça marche, je te fais ça après. Je résolve l'énigme et je te mets ça dans une petite poche en...
En carton. Ok, alors là, c'est maintenant ou jamais, on va commencer à tous se tirer les cheveux. Alors, je le rappelle, s'il vous plaît, le chat. Pas de backseat, donc pas de me dire quoi faire ou me donner la solution. Même dans le chat, me dire, hey, attends, c'est peut-être ça, que vous connaissiez le jeu ou pas, ne me donnez pas de potentiel indice, même si c'est non voulu. Ok ? Je vous demanderai. Gardez bien ça en tête, analysez en même temps que moi. Je sais que vous auriez envie de participer et je suis désolé de vous demander de ne pas participer, juste parce que je veux faire le let's play correctement. Mais si je galère, je vous demanderai. Voilà. Sachez-le, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on nous avons ? Sacrée machine. Ah ouais. Ah bah attends, il y a des fioles là, non ? Ok, il y a tout un tas de choses à devoir faire. Donc les loquets, il faut qu'ils se baissent pour que je puisse avoir accès à en haut, normalement. Je peux pas interagir avec quoi que ce soit. Je peux pas pousser ça, il y a quelque chose qui bloque. Ok. Ah, mais c'est une Gatling, j'avais même pas capté. Ouais, d'accord. Oh la vache. Ouais, c'est pas le moment de se trouver en face, en tout cas. Attention, parti pour la voix de vieux. Mon fils, je suis satisfait par ta manière de commander l'armée papale. L'armée papale. Non, papale. Et je suis ravi des compétences diplomatiques dont tu fais preuve et qui t'ont permis d'intégrer les armées du roi de France à la tienne. Cela aura très bientôt une importance capitale. L'heure pour la maison Borgia de devenir seule souveraine sur ses propres terres et proches. J'ai cru comprendre que tes mercenaires et toi avaient des problèmes pour utiliser la poudre noire. Inspire-toi des Français. C'est nous. À quoi bon avoir des alliés s'ils ne sont pas bons, bien utilisés? Enfin, passons au plus important. Qu'en est-il des plans que t'a donné le maître Leonardo? Je comprends que la tâche n'est pas aisée, mais tu dois absolument contrôler l'avancée de son travail, peu importe ce qu'il en coûtera. Ton père, Rodrigo de Borgia, Alexander, VG, Pont, Max, 1496 Vatican. Les signatures, les trucs, je comprends pas des masses. Bon, alors on a quoi? On a un blason. Ok. Lui, on peut plus faire mumuse avec. Ok, let's go. Là, il y a une strap, il faut une clé. En faisant ça 3-4 fois, il va s'ouvrir. Non, c'est faux. Alors, qu'est-ce qu'on a là? C'est une mèche, ça. Ou ça fait partie d'une... Ah non, ça fait partie d'une corde. Ok. Bon bah ça. Pas de secret pour le moment. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ok. Ok. Ah! Il se passe quelque chose en faisant ça. Donc ça m'indique que c'est pas bon. En fait, je pense avoir compris. Quand je l'avais mis là... Non, j'ai pas compris. Je peux pas le bouger, ça? Je pense qu'il faut que je... Alors là, je fais du brute force. Hein. Là, j'y vais par simple déduction. De me dire, potentiellement, il faut que je l'active dans un ordre précis, je pense. Si j'active pas la lentille, ça aide beaucoup. Donc, il va là, maintenant. Ok, celui qui se trouve là. Donc j'avais raison pour l'ordre précis, quoique. Comme quoi, le bruit de force n'était pas stupide. Hop.
D'accord. Dagger, dagger, dagger. Pour le moment, ça se passe bien. Pas compliqué, pas de problématique. Pour le moment. Non, c'est pas le bon. Je viens de capter que c'était pas le bon. Ah oui, bah du coup, ok. Je pense avoir capté. Oui, d'accord. Ah ouais, les coloris, moi j'ai pas capté. Je suis allé, j'ai foncé tête baissée, donc théoriquement. Il est où? Ça peut être que lui, de toute façon. Oui. Ah si, Spirit, bonne nuit. Merci de passer, prends soin de toi. À très vite. Un crochet. Ouais, et maintenant... Parce que ça va s'ouvrir. On voit, il y a un passage derrière. Ok, je peux pas interagir avec. Là-dessus, je pense que je peux plus rien faire non plus. Non. Bah là, peut-être. Aucune logique de mettre un crochet là. Ok. Je partirai par déduction sur le principe que maintenant je dois faire quelque chose ici. Attends, mais ça c'est une pince pour choper quelque chose, ça, hein, je rêve pas. Ouais. Ok, c'est ce genre de clé. Ça vient à rien là, ok. Ok, ça, pas d'infos. De toute façon, il n'y a jamais vraiment d'indice là-dessus, voire pas du tout, à ma connaissance. Alors, où est-ce que j'aurais besoin de ce type de poignée? Ça m'emmène sur la machine, logique. Logico-logique. Après, si vous avez l'idée où vous avez trouvé l'info, vous pouvez marquer G dans le chat. Ou je sais quoi faire, ou je pense savoir quoi faire. Ça, vous pouvez le marquer, pas de problème. Là où je peux... Non, du coup, je peux plus remonter. Ici, enfin, ici, je peux pas. De toute façon, tout court, je pouvais pas. Là, ça m'emmène là. Là, ça va m'emmener là. Forcément, je peux rien faire. Et il y a ce truc là. Faut que j'y mette quelque chose dessus. Je me demande si c'est pas la poudre. Après, comment ça se fait qu'il me propose de remonter là? Ça peut pas être ça. Bref. Visiblement, ça pouvait être que ça. Alright, maintenant. Nous avons deux appareils.
Où je répare la manivelle pour pouvoir activer le mécanisme du puits. Une lampe à huile. Je peux pas interagir avec, ok. De toute façon, il me l'aurait indiqué sinon. Là, there is the big coffer. Ouais, sacré coffre. Il manque un queutru là. Il manque un bitouillou. Ouvrir forcément. Et là, si je tourne, il manque un loquet, forcément. Logique. Donc là, je présume qu'il me faut une plaque. Oh, ah, d'accord, ok. Une plaque, il va me falloir rentrer une genre de combinaison, quelque chose. Ok. Alors ça, je pourrais le mettre où? Pour moi, ça doit être dans la machine au-dessus. Je vois que ça, en tout cas. Tester. Donc en fait, il y a une genre de... C'est pas une genre, c'est une plaque avec une barre là-haut. Et pour moi, il doit faire partie de là. Une lampe à huile. Je comprends pas, mais ça c'est une... Ouais, c'est une pince. En fait, ça bloque là pour tourner. Mais je peux pas la retirer. Je peux pas la remonter, en fait. C'est bizarre. Ah, si, c'est bon, j'y étais. La lampe à huile, et voilà. Forcément. Ok. Ça, je peux le... Je vous dis, ça va péter. Ça va péter! Attention, ça va péter! Non, ça pète pas. Ah, ça fait du feu. Et ça monte les endroits où il faut que je tamponne. Je comprends mieux. D'accord. What is this? Outil et poignée rotative. Ok. Je vois de quoi ça s'agit. Pas là-dessus. Ça peut pas être là-dessus. Non, pour moi, c'est en bas. En bas là. En bas, mais comment? Ça, pour moi, c'est... Ça va me servir à récupérer ça? Non, même pas. Non, bah non. Alors, est-ce que ça peut pas me servir à récupérer ce genre de truc là qui se trouve ailleurs? Là, on dirait qu'il y en a un dessus. Ça, là. Non, c'en est pas un, ça ressemble pas. Bon, il me manque encore un item. Absolument, il me manque un item. Alors, normalement... Pardon, ouais, ok, il me l'a mis. Ok. Un point de la carte et je sens que je me rapproche de la vérité concernant Borgia.
toute façon, on est d'accord pour dire que là, ça sert à rien que je reproduise avec exactitude les endroits puisque j'ai pas la carte. Donc ça sert à rien. Ça, je présume que c'est pour effacer tout. Pour pouvoir recommencer. Bon, là, je peux pas. Je peux plus remonter. Là, je peux, mais c'est pas ouvert, donc ça sert à rien. Là, je peux rien faire de plus. Bon. Il reste plus que toi et moi, ma coquette. Comment ça se fait? Ah bah si, c'est ça. Oui, voilà. Alors pour moi, cette action-là, elle a... honnêtement, pour moi, elle a zéro sens. Parce que c'est une pince, tu pouvais la remonter, en fait. Mais bon. C'est prévu. Je peux pas récupérer des morceaux, non? Non, je peux pas. Là, maintenant, je vais pouvoir faire tourner. Voilà. Et alors, qu'est-ce que nous avons ici? Il ne s'est rien produit. Il manque toujours quelque chose de la machine. Voilà le bitouillou. Et ce qui est au sol, je peux pas... On s'en fout? Visiblement, on s'en fout. Ok. C'est bon. Ça avance. Mettre le petit bitouillou dans le porte-bitouillou. Et tu visses, tu visses, tu visses, tu visses. Voilà, maintenant ça. J'ouvre le verrou. Ah, ça fait plaisir. Et là. La carte métallique. Let's go. Allez, c'est parti. La carte. Je le savais qu'elle était dedans, c'était sûr. C'était sourd, c'était sourd. Du coup, si je fais ça, il se passe quoi? Ça reset, on est d'accord? Oui, ça doit reset. Alors, nous avions dit. Diagonale, 1, 2, 3. Donc, push. 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 Là, j'avais dit. Là. Ok. Ici. En droite. Et je re-regarde parce que j'ai pas de mémoire et je veux être sûr. C'est en bas à droite. Voilà. Bon, je pense pas qu'il faut que je passe le coup de ce truc-là. À mon avis, je pense pas. Carte métallique. Et ça, je peux le mettre où? Eh, vous savez quoi, par acquis de conscience? Je vais quand même le faire. Je pense que je vais le regretter. Après, c'est rien de grave, hein, mais... Pour moi, ça efface. C'était sûr. C'était sûr, mais je préfère m'en assurer. Bon, ça va, c'est ok. C'est fait. Où est-ce qu'il va me demander de mettre ça? Je pense honnêtement... Ah bah si, 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 bah ça va être là-dedans. Dans le cucu, juste là. Oui, voilà. Ah, j'ai vu ce qu'il vient de mettre là. Ça, c'est des munitions, je reconnais.
manquait quelque chose. Il manque un interrupteur, c'est ça. T'aimes bien ça comme jeu, Orchidée ? Elle va basculer ? Ah non, c'est ça qui s'ouvre. Ok. Ah mais ouais, mais là il me faut ouvrir les deux clapets pour prendre la pièce là. Ok. Les douilles sont déjà prêtes à être remplies. Ouais, exactement, Dragon. C'est le troisième opus de la licence The House of Da Vinci. Feu! Oh, ça va chier. Eh bé. Mais j'ai pas compris l'histoire de l'interrupteur, il manque un interrupteur, donc faut que je re-remplisse un truc là en fait. Pour après. Non, là. Ah non, d'accord, bah non. On va voir après. Avant, on va voir. On va voir. Ok. Alors là... Ah mais attends, je fais comment là? Ah, je prends ça comme ça, d'accord. Comment on s'y prend? Quoi est-ce que ça lance? Tu connais pas du tout? Bah, sache que j'aime bien ce type de jeu et j'essaie de tous faire ceux qui sont disponibles. De bonne qualité, hein. Et il est pas mal. C'est tombé comme du n'importe quoi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant là-dedans? Oh. Oh, si joli. Ah. Ah. Ça y est. Le crâne va cramer dans pas longtemps. Formule chimique. Bon, j'ai regardé ça en prompts. Autant que je mette là-dessus en prompts. Ok. Il y a des petits loquets, je peux pas faire quoi que ce soit avec. Ouais, là, ce truc-là, il est bloqué à cause de ça. Je pense là-dedans, je dois avoir des ingrédients qui vont pop. Interagir avec, ok. Ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Là, il manque un item à mettre dedans. Ok, il me focus ça, et ça, c'est pour pilonner le tout. D'accord, donc là, on a quoi? Nitre, bon. Hydrogène, soda, strontiane, je sais pas c'est quoi ça, sulfure, carbone, oxygène. Donc là il y a un truc qui a été effacé, donc bon courage, là c'est 4 pour 5 pour 2. Donc 4 de ça, 5 ça, de ça, je dirais, 60, le poids ça fait 60, 75, 30, ok. 5, 15, 75. Ah bah non, attends, ça égale 15, ok. Bon, je vais pas trop prendre la tête avec ça tout de suite, il faut déjà qu'on trouve...
Ce qu'on peut faire maintenant. Là, il me manque quelque chose à mettre. Ok. Là, je peux pas ouvrir. Il y a trop de trucs. Il y a vraiment giga trop de trucs. Il y a un truc dedans. C'est un poids qui est dedans. Ok. Normalement, il me reste plus que ça. Donc là, il va me falloir la poignée. Très belle boîte. Et là... Donc là, c'est bon, j'ai tout regardé, là. Ah, on peut monter. Ah, tous les ingrédients vont être en haut. Ok. C'est pas passé loin. Hein. Oh. Ah, le gant, il est là-dedans. D'accord, d'accord, ok. Ah. Ces lames rotatives ont quelque chose de poétique. Ouais. Les utiliser sur un champ de bataille peut sembler cruel, mais cela n'en est pas moins fascinant. Pardon, Leonardo a expliqué s'être inspiré des machines de guerre de l'Empire romain pour les concevoir. Il me serait facile de conquérir toute l'Italie avec les anciennes forces romaines, mais je vais devoir faire avec ce que j'ai. Et l'arme à feu que Leonardo m'a envoyée est une véritable œuvre d'art. Il n'est pas encore adapté au combat, mais il suffirait de modifier un peu la poudre noire pour en faire le pire cauchemar de mes ennemis. Un seul soldat armé d'une de ces machines pourrait abattre des dizaines d'ennemis en un instant. Mais ce qui compte, c'est que le maître ne m'a pas encore envoyé. Je sais qu'il travaille encore sur le portail, mais il ne souhaite pas le terminer. Il est peut-être temps que je change d'approche. Il sera probablement au plus coopératif si je lui donne le poste d'ingénieur militaire en chef. Moins 2 et plus de tête. En moins 2, plus de tête, oui. Effectivement. Élure, là, il y a ce logo-là. Il y a une clé dedans. Ah, ok, je vois ce que c'est. Ça aurait été trop simple. Non, non, ça par contre j'abuse, ça j'abuse. Ça j'abuse, je l'avais, j'abuse. Ça et ça. Voilà. Clé en résine. Ah, attends, ça me parle. Ok, je pense savoir où je dois mettre ça. Avant, j'ai pas d'autres trucs que je peux récupérer, non? Par contre, rassurez-moi, chaque fois que je passe, je vais pas me faire décapiter. Pardon. Pour moi, la clé en résine, elle se met là. Ah, mais non, il manque un truc. Il manque quelque chose. Ben oui. Il manque quelque chose. Où est-ce qu'elle se met là-dedans? Non, on peut pas se mettre là-dedans. Hop. Ouais, j'étais sûr qu'elle se mettait là-dedans, en fait. C'était sûr, en fait, j'avais raison depuis le début. C'était sûr. Alors, pour moi, je dirais que ça va là. Bah oui. Oh. Entend la brusard. Poudre à canon impure. Interrupté. Interrupteur, interrupteur.
là-dedans. Là-dedans, peut-être ? Non plus. Ça va pas là, ça. Bah non. Déjà, je pense que je vais faire ça. Même pas. Je ne pense pas que ça rentrera. Alors, je pense que si, théoriquement, vu la superficie de l'objet, ça peut amplement rentrer dedans. Mais c'était plutôt que c'est plutôt que c'est pas ça qu'il faut faire. Ça, je vois pas où je peux mettre un interrupteur. Un interrupteur. Un, 4, 3, 2. Ok, là-dedans ? Non ? Ça peut pas être ça, ça peut pas être ça non plus. Ok, faut que je dézoome un peu là. 1-0, comment ça 1-0 ? Tu veux dire ça, 1-0 là, ça ? J'ai pas compris. Attends, je peux bouger. What ? Ah, attends, je peux bouger plus, j'avais pas... Je crois que j'avais pas réussi à faire ça tout à l'heure. J'ai bugué là-dessus, j'ai rien fait, mais on peut pas là-dessus. Il a dit 4, 3, 2, j'ai seulement fini la suite. Ah oh, putain. Ok. Pas être ça non plus. Ça, à mon avis, je vais devoir aligner le motif derrière pour que ça s'ouvre. Du coup, j'ai mis ça dedans et après, je fais quoi? Parce que là, franchement, je vois pas du tout. Hein. Là, il manque quelque chose. Parce que ça s'est baissé. Fous-toi de moi. Genre, j'avais mal refermé le capot. Enfin, là... Non, mais c'est une blague. C'est une gigantesque blague, là, par contre. Je veux bien que je suis pas doué dans certains cas, mais là, quand même, s'il vous plaît. Bon. Bref. Ok. Ça va là? On est d'accord ou pas, chat? C'est un peu... Le foutage de gueule quand même. Pour le coup là, je veux bien que je sois pas doué une fois de plus, mais là autant... Le jeu m'attrolle, je crois bien. Je pense pas que ça doit aller là-dedans. Là, il faut que je mette quelque chose... Ah maintenant ça, je peux le bouger aussi. Je peux pas. Logique. Ça m'aurait étonné si je pouvais mettre ça dedans. Ça, il me manque quelque chose. À moins que ça soit ça ? Non. Non, c'est pas logique. C'est pas logique, pouet, c'est pas logique, pouet, c'est pas logique, c'est pas logique. Là-dedans, pareil, je pense pas que ça doit se mettre. Parce qu'en fait, vous voyez la forme que ça fait ici, là ? Comme un compas. Compas, rapporteur ? Rapporteur ? Enfin bref, marque de cercle. C'est ce qu'on retrouve ici. Vous voyez, c'est la même chose. Donc je pense, sans trop m'avancer dans le vent, que ça communique entre les deux. Il y a quelque chose à faire avec les deux machines. Je pense. Sauf que... Je peux pas me déplacer plus, donc ça sert à rien. Ça ira pas là-dedans, ça non plus. Ok. Donc... Je crois pas que je puisse faire autre chose. Donc c'est là-dedans que je vais avoir peut-être autre chose à faire. C'est-à-dire là.
Into là. Rapporteur, merci. Voilà. Ça, je le permute en bas là. Ah oui, oui. Voilà. Et ça, je sais où ça va se mettre. Flacon de poudre noire. Non, pas là. C'est là. Allez. Là. Wow. Ok, j'ai pas compris. Récipient avec poudre noire. Des bruits bizarres. Le récipient poudre noire, moi je le mettrais là-dedans. Ah mais attends. Filtre incomplet. C'est censé représenter quoi? Là, je dirais du tissu. Et encore même pas, non, ça la granuleux. Non, non. Ça, je peux rien mettre, ça, je peux pas mettre. Pour moi, il faut mettre ça dedans. Ça, pas possible, puisqu'il faut quelque chose à rajouter dessus, donc non. Ok, alors cette pièce-là, elle peut me servir à quoi? Alors une fois de plus, désolé YouTube, la VOD va faire plus d'une heure. Malheureusement, ça je peux pas faire autrement. Ça, de toute façon, c'est la phase finale. Je peux pas. Enfin, ça sert à rien que je revienne là, en fait. Je peux pas mettre ça, ça sert à rien. Je pense que là, c'est vraiment la phase finale, finale de chez finale. Ouais, non. Ça sert à rien que je revienne là, hein, je pense. Alors, j'ai 3 items, dont un que je dois lui rajouter quelque chose pour que ça fonctionne. Ça, je peux retourner dessus? Non. Là, maintenant. Là-haut. Je peux rien mettre, on est d'accord. Ça, je peux rien mettre, on est d'accord. Et ça, j'avais déjà testé, je peux rien mettre. Ça, je peux pas changer. Et ça, ça va être la résultante qui va aller là. Où est-ce que j'ai besoin de cette petite manivelle là? Ça fait croix, 2, 3. Ça, il doit y avoir une importance. Ouais, pour moi, ça a dû renverser. Enfin, ça a dû renverser. Ça a dû mettre quelque chose dans le tiroir. Et ça sera pour après le tiroir. Et là. Je peux pas tourner. Ça, je peux toujours pas le mettre dedans. Ça, on peut rien faire avec. Et ça non plus. Comment je le déloque ce truc? Si vous avez une idée, chat, je veux bien un petit indice. Non pas que je déclare forfait, loin de là, hein, mais je me dis, peut-être le moment de vous faire participer un petit peu. Si vous le souhaitez. Il n'y avait pas un autre truc sur le côté là-dessus? Non, je peux pas. Si?
Pardon. C'est ça, je comprends pas dans ces jeux-là. Il me permet de retourner là, alors qu'il me dit, soi-disant, j'ai plus rien à y faire. Ça s'est refermé parce que du coup, je peux plus rien faire. Je peux plus tourner la machine. Ok. En bas, normalement, j'ai tout fait. Pourquoi il y a encore le dessin de la loupe? Merde, ça je voulais faire. Ça sert à rien, ça sert à rien, et ça sert à rien. Ok. Ah, et pourquoi je peux encore interagir avec ça? Trois échantillons de poudre, je pense pouvoir en déterminer la composition et comment la modifier pour servir de combustible grâce au laboratoire. Ouais, sauf que là, moi, ça m'aide pas. Bon, là. Et attends. Comment ça se fait qu'il me propose? Non, c'est bugué, en fait. Il a réussi à me proposer de regarder sur le côté. Ouais, à mon avis, ça doit être bugué. Ah, mais attends, il y a un truc, là. J'ai même pas fait gaffe. Oh. J'ai pas fait gaffe. J'avais pas tilté. Filtre. Ah là 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 là. Attends, je regarde du dessus. Ok. Donc là j'ai la réponse, ça fait 4, 5, 2. Ça c'est ce qu'on avait dit. Ok, mais... Ah voilà, je suis pas totalement fou, j'avais raison. Le poids pour la balance. Ça je peux rien faire avec. Avant, je ferme une muse avec ça. Je vais mettre ça tout de suite là. Il manque encore un truc. J'en étais sûr! Il manque l'accroche pour mettre le poids. Bon. Ouais, c'est-à-dire. Double flèche, ouais. Triple flèche, pardon. Ouais, et maintenant? Ah! Oh, d'accord, j'ai pas tilté ça comme ça. Ok. Et ça, maintenant, c'est terminé. Vu que ça se range tout seul, c'est terminé. D'accord. Je dois le mettre là-dedans? Maintenant? Ah, ouais, j'aurais pensé. Non, ça sera pas logique. Pour moi, en fait, ça, il faut que j'y mette le caillasse qui est là. Et là, du coup, j'ai une ressource du mélange. Du fameux mélange, El Famoso. Qui se trouve là. C'est-à-dire que ça fait 5 de ça. De poudre à canon. Ah, 3, 1, 5. On a la réponse. Ok, d'accord. Donc c'est 3, 1, 5. Donc là, c'est bloqué sur le 2. Alors du coup.
mettre ça là-dedans, je pense pas. Ah si. Rouge, c'est pas bon. C'est pas bon. Puisque du coup ça fait 5, donc c'est 3, 1, 5, donc c'est forcément là qu'il faut le mettre. Ah non. Ah, je viens de me prendre un TG par le jeu, là, laisse tomber. Ça, je peux retourner dessus, il y a encore un autre truc. Non. Ça va, chat, vous... Vous prenez pas trop cher au niveau du cerveau, vous endormez pas, c'est bon. Puisqu'à l'heure où je suis en train de streamer, tourner cette vidéo là, YouTube, il va être 6h du mat quoi, 6h. Parce que j'ai l'impression que ça, la poudre à canon, elle est en trop grosse quantité, ça fonctionne pas, il faut que je la réduise la quantité. Là, de toute façon, je teste, hein, je fais du brute force, mais je sais pertinemment que ça va pas là-dedans. Moi, ce qui m'embête vraiment, c'est ici. Hein. Le petit bitouillou qu'il y a dedans, là, je voudrais l'avoir. Et pour moi, c'est ça, en fait. Mais là, il manque un item. Il manque un props. Il manque quelque chose. Donc, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Ça, je peux pas. Va me rester là. Est-ce que je peux encore faire mes muses avec ça? Ça, je peux encore remplir. Hein. Donc ça, c'est rempli, mais je peux plus rien faire avec. Je vois pas. Est-ce que j'aurais pas 6 du coup? Là, il doit y avoir une importance avec les logos là. Là, il y a le dessin du poids. Je vois pas. Là, je vois pas du tout. Ça peut pas être ça. Bon, est-ce qu'il serait pas temps de prendre un indice, à part si vous avez une idée, vous. Dites-moi. Ah oui, ah mais oui, voilà, c'est ça. 3E, c'est carbone. Poudre à charbon, c'est considéré comme le carbone. Ou non, la poudre à canon, c'est un mélange, normalement. Oxygène, carbone. Donc comme... Merde, comme c'est... 3, 1, 5... Donc c'est... ah mais non, 3, 1, 5, donc c'est même pas... Ça, ça n'a aucun rapport. 3, 1, 5... Parce que là, il y a 4, 5, 1. Merde, je peux rester là. 4, 5, 1. Là, ça fait 4... 4, 5, 1 ou 4, 5, 2 ? 4, 5, 2, pardon. 4, 5, 2...
2, le 5,75, ok. Et le 5, c'est ça, c'est carbone. C'est du carbone. Je vois pas. Je vois pas, je vois pas, je vois pas, je vois pas. Allez, je prends un indice, hein, mais on... Copier ma serrure, le poids de mon inventaire. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est la balance, oui. Mais je vois pas comment y ajouter le poids. Je dois pouvoir trouver une utilité à la table. Sur la table du laboratoire. Une utilité sur... Attends. Trouver une utilité sur la table du laboratoire. Bah... Ouais, moi je vois ça parce qu'il y a le dessin de poids, en fait. On me dit pas que je peux le casser. Non. Parce que moi je vois le dessin du poids là, donc je me dis c'est lent. Hein. Où ça se met là-dedans comme ça? Même pas. Et ça je peux pas appuyer dessus, ça me donne l'impression que ça peut rentrer dedans. Ah mais oui, mais voilà. Oui, mais voilà. Putain, je... Oh. Je le disais bien quand même, bordel. 5, 3, 4. 5 à droite. 3, 4. Ouais. Ouais, mais en fait, tu vois, là, j'ai juste bugué. Alors que c'était juste logique, bordel. Là, et normalement, je peux le remettre. Voilà. Ah, il veut pas? Ah. Mon père est mort, et contrairement à ce qu'ils disent, ce n'était pas la maladie. C'était une tentative d'assassinat évidente et malheureusement réussie dans son cas. Sans l'appui de Pape. Ah, c'est Pape, c'est Pape San. Mon pouvoir s'étiole. Je ne connais pas ce mot. Le portail est la seule solution. J'ai essayé de rester concentré sur mes priorités, mais j'ai été idiot. Les promesses du cardinal Guyano della Rovere. N'était que des chimères. Il était censé me donner le commandement de l'arme papale et de l'ordo iusticialis. Iusticialis. Mais il m'a trahi après que je l'ai aidé à gagner. C'était pourtant évident quand j'y repense. C'est lui qui nous a empoisonné, mon père et moi. Je jure de m'occuper personnellement de son cas. Je repense à cette carte chaque fois et je désespère. Elle me rappelle mes victoires à la tête de l'armée des forces papales et françaises combinées. J'espère pouvoir terminer mon œuvre une fois que j'aurai pris le contrôle du portail. Les villes ne feront que s'ajouter à ma carte et le nom des Borgia restera jamais gravé dans la mémoire, dans les mémoires. Ok, on s'en bat les couilles, frère. Donc. Ah mais attends, je peux peut-être le poser direct en fait là. Ben oui. Mais ça peut pas parce qu'il manque... Enfin, il y a ça qui gêne. Et ça, c'est tout un cistus. Et ça, du coup, qu'est-ce que c'est? Interrupteur rotatif. De type rotatoire. Ah bah, je sais c'est quoi. Et là, mon avis, c'est ça. C'est que là, il dit... C'est ça la combinaison. Donc, c'est 5 droites, 3 gauches, 4 droites. Tu retiens, s'il te plaît, Rikidé, si tu peux le marquer dans le chat, s'il te plaît. 5 droites, 3 gauches, 4 droits. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Merci de l'avoir marqué dans le chat, pas besoin de marquer dans le chat du coup. Ah, alors ça j'aime bien. Je sais ce que c'est comme genre de jeu. Alors ça je pense que c'est pour reset. Ouais. Ça j'aime bien. En fait il faut... Et voilà, c'est perdu. En fait il faut faire en sorte que...
Par exemple, si je fais ça, paf, l'araignée elle est mourue. Paul Thunder, ouais, je suis trop fast en fait pour ça. Si je fais ça, paf, ça descend. Du coup, le petit monsieur il peut monter. Je fais ça, into ça. Baf, c'est une pierre. Du coup, je fais ça. Voilà. Écrou à L. C'est un écrou qui s'envole. Flacon de poudre, ok. Donc ça, bah... Techniquement... Ah bah oui, mais c'est bon, je sais où ça va. C'est bon, c'est bon. I understood very well. Alors là, j'ai pas besoin de le mettre là. Ça va être là en priorité. T'aimeras. Ça peut aller que ici, ça. Mais c'est pas à cet endroit, il faut que je mette en endroit. D'abord. Mais non, c'est pas là, c'est là. Pardon, arrêtez de vous fiche mon gueule. J'en ai rien à foutre, ça ira là. J'en ai rien à foutre. Je le dis, je le redis, ça ira là. Que vous vouliez ou non, je le mettrai là de même de force. Mais où ? On est où là ? Alors les petits écrous, je pense... Ouais, voilà, c'était sûr. Hop, les... ça dégage. D'accord, ok. Je understood. Ok, donc là maintenant, hop. Prochaine chose. Ok. Voilà. Petit crochet, ça va là-dedans. Je sais que ça va, le petit crochet. Hop, tu tournes. Hop. Hop. Cher César de Borgia, c'est avec un immense plaisir que je vous annonce votre bannissement du Vatican. Ça fait plaisir. Vous, ainsi que les hommes à votre service, tant qu'il vous reste de quoi les payer, n'êtes plus les bienvenus. La grande papale a reçu l'ordre de s'occuper de vous. Quant à votre appartenance passée à un certain ordre, permettez-moi de vous avertir, toute utilisation abusive des informations que vous avez pu recevoir en tant que membre aurait des résultats pour le moins déplaisant. Étant donné votre état de santé, je vous conseille fortement de ne pas vous impliquer davantage dans ces affaires. Après tout, une vie de stress et de péché a entraîné votre père dans la tombe. Il serait très malheureux que vous le rejoigniez dans les profondeurs de l'enfer aussitôt. Pape Julius Gigi, anciennement Giuliano della... Attends, c'est pas le pote de... Ça là, ce nom là. C'était pas le pote de Léonard de Vinci que je disais, je sens pas qu'on était d'accord dans le chat pour dire la même chose. C'est pas lui, justement. J'ai un doute, j'ai peut-être une grille. PS, si je peux vous donner un conseil d'ami, oubliez tout ce que vous avez vécu ces 10 dernières années. Faites vœu de silence, trouvez la paix. PPS, il est impossible d'échapper au regard de Dieu. Il me semble, ouais, je crois que c'était ça. Hein. Je crois que c'était Giuliano. Allez, file-moi ça, give me that, pour qu'on en finisse, parce que ça fait déjà 1h13 de VOD. Coup même. Tac. Ça va là. Si tu me dis que ça va pas là, je pète un bleu. Ça fait 30. C'est une petite poids. Symbole métallique. Ça fait 30. 30, c'est là, ok. Ah ouais, ok. Donc ça, je sais quoi en faire. On va lui casser la gueule, là-dedans. Ah là, c'est bon ou pas? C'est bon? Attends, j'en fais un petit coup. Ah là, c'est bon, je pense, là. Ok. Symbole métallique. Ah non, mais oui, enfin, c'est pas vraiment un poids en fait. Ah, je sais, c'est ça. Ça va là. Ça va là. Ça va là, ça va là, ça va là. Et ça va là, ça va là. Ah. Attention, t'es prête, Orchidée, pour la phase numéro 2? T'es prête?
petite gorgée. Attention, ça va swinguer. Pardon, excusez-moi. Alors, donc nous avons la salpêtre. Salpêtre, sulfure, clé mystérieuse. Où est-ce que j'ai lancé ce genre de clé? Ah merde! Ah, j'ai un trou! Ça peut pas être là-haut? Non, là-haut, c'est une clé normale qu'il faut. Non, ça sert à rien, ça sert à rien. Dessin, dessin! Pourquoi je sens que là, il y a le... non, ça pue, ça sent le piège. Je sens qu'on va me renvoyer balader en disant « Merci, ça fait plaisir, grâce à toi, on a réussi, mais maintenant, tu te casses. » C'est sûr. Donc. Ouais, c'est pas bon. Non, mais c'est pas bon. Il y a un truc que je fais mal. Je peux mettre ça dessus? Non. Pour moi, ça, ça va là, en fait. Je peux pas... Parce que pour moi, je dois remplir là. Et après, je dois l'emmener là pour péter le cristal pour pouvoir récupérer la clé. Et là, en fait, ça, c'est le genre de briquet pour justement enflammer le tout. C'est sûr, c'est ça. Par contre, qu'est-ce que je fais mal? Bah, si, c'est là. Bah, si, c'est bon, j'ai trouvé. Oh là là. Idiot bête que je suis. Voilà. Et c'est là qu'on va rigoler. Là, on va se préparer à s'amuser. Alors. Si j'ai placé plus de poudre, il doit en rester dans le contenant. Ok. Donc. Sulfure, c'est le plus. Donc ça, il en faut une dose de 4. Ah mais je peux pas... Ah mais je suis obligé déjà de faire ça en fait. Ah merde. Ça de toute façon, ça peut être que... Ça peut être que 5. Ça peut être que 5, c'est sûr. Mais pourquoi je peux pas aller plus? Je comprends pas trop là. Ah, ok, d'accord. Ok, je viens de capter. Pff, ah, j'ai pas compris. Donc ça, normalement, c'est 4. Le plus, sulfure, 4. Merde. Donc, là, je vais descendre de 1. Là, c'est bon. Je récupère ça. Ok. Et donc, théoriquement... Je dis bien théoriquement, ça va aller là. Pas de sens là cette histoire. Non, c'est remonté. Mais attends, mais le non, c'est bon, je suis à 4, ok. Faut que j'ai tout peut-être, je sais pas, ça me paraît bizarre. Il y a un truc que je comprends pas trop là.
Allez, jusqu'au bout, m'embête pas. Et donc ça, c'était 2. Ok, et le 1, c'est du coup la nitre. Nitre. Donc... voilà. Là, tu descends. Tout petit. Ok. Il me reste que ça, mais le problème, c'est que ça fait pas la totalité, hein. Là, ça fait 3. 3, 1, 5. 4, 5, 2. Ah, mais c'est ça. Oui, d'accord, je viens de capter. Oh là là. Je viens de capter. Oh là là, je suis au côté de la plaque, là, complètement. Donc là, comme ça fait 4, 5, 2, faut que je le transforme en 3, 1, 5. C'est logique, du coup, maintenant. Donc ça qui est en 5 de base, il faut que je le mette en 1. Donc... voilà, 1. Ça, c'est good, on n'en parle plus. Ensuite... je vais remettre ça, je sais plus. Je sais plus du tout. Je suis paumé. Je suis paumé. Donc c'est 2 de base, et là il me dit d'en mettre 5. C'est pour ça que je comprenais pas pourquoi j'avais plus. Bah oui, c'est logique en fait. C'est trop logique. 5. Attends, c'est bien 5, hein. C'est 5. What the fuck? Et lui, de base, c'est 4, normalement. Donc là, faut que je mette 3. Et là, ça va être bon. c'était lui ou pas? Ouais, c'est bon. Eh bien, on va enfin y arriver. Et demi de VOD pour ça. C'est trop fini. C'est joli. Hein. Pas plus, pas plus. Et là, attention. Ça a pété! Moi, je pensais que ça pète, mais en fait, pas du tout. Non, c'est juste, ça fait fondre. Ça fait fondre la résine. Eh oui. Ah si, ça fait boum. J'ai eu le droit à mon petit boum quand même. Allez, file-moi ce gant. De toute façon, je sais pertinemment, je vais me prendre une patate derrière la nuque, on va me voler le gant et retour à la case départ. Regardez bien, je veux le pré-shot, je suis sûr c'est ça. Déjà là, pour moi, ce truc-là, c'est piégé. Regarde bien, regarde bien. T'es prêt? Regarde bien. Oh, je suis content, dis donc, j'ai le gant, oh là là. Oui, mais comme de par hasard, faut pas me prendre pour une bidoche quand même. The trap has sprung, Giacomo. Ah oui, mais... Does the situation remind you of something? I guess it's fate that the betters should have power over the rest. And what about those two nannies of yours? Happily drinking in safety while they sent you into the lion's den. In your place, I would be upset. But I am not interested in your feelings. Just listen to me and then do as you are told. It's in your own interest.
heard you already met the Viper's Tangle, calling themselves a lofty Ordo Justitialis. That's good. What you don't know is that they are currently led by the Pope. He is the puppet master. He would be the one profiting if they got their hands. Tiens, 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 qu'est-ce qu'on disait au début que le pape on ne sentait pas? Reasons to hate Pope Julius II. I had everything. I was the most powerful man in all Italy. But fortune is a fickle mistress. O fortuna variabilis. Julius II had his predecessor, and my father, Alexander VI, killed. He usurped the chair of St. Peter and misused the power of his station to take everything from me. My position in the order, my prestige and reputation, and even my domain. And thus, I bet everything on one last gambit. To obtain the time machine and reverse my destiny. I'll give you the glove you seek. I want something in return. I know you are too much of a coward to kill the Pope. Besides, I wouldn't let anyone take the pleasure from me. But I have another use for you, Giacomo. When my father was still alive, he appointed me to the Ordo Justitialis to find out more about the broken time machine and search for someone who could make it work again. Then that we came to that Leonardo da Vinci of yours. And during this time, I learned something very interesting. Generation after generation of grandmasters inherited this amulet. When the order fell to the Pope's might, the Pope took it, and in time, he granted it to his successors, along with the power over the Ordo Justitialis. It's only a piece of metal, but it is a very powerful symbol, a symbol of supremacy over the Order, and I want it. And that means you, Giacomo, will get it for me. I don't care how you do it. But as I am an eternally gracious man, I'll give you a hint. In the Pope's study is a secret passage which will lead you directly to the amulet. Make one of your nannies help you. The monk was always in the Pope's good graces. He might finally be useful and maybe could even atone for getting you into this mess, don't you think? But that's your problem. As well as getting out of this cage. And don't forget, the amulet for the glove, piece for a piece. When you get it, I'll let you know where we will meet again. This is a token of my goodwill. We will see each other soon. It was a pleasure doing business with you, Giacomo. Ah, parce que c'est pas encore fini là? Souci. Non, le bon, il était là. Bah. Ah, oui. Ah oui.
travailler quand même, merci. Clé spéciale. Je m'attendais à me prendre un gros coup derrière la nuque quand même. Mais ça va. Et je crois qu'on a terminé le chapitre. Let's go. Le repère de Borgia est terminé. On se quitte là-dessus, YouTube. On se retrouve pour la continuité du let's play une prochaine fois. Parce que là, une heure et demie, c'est compliqué. Là. C'est un peu plus long que d'habitude. Hein. Allez, salut YouTube, ciao.